the back for the back. I'm back to 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 the back for the back. Je suis de retour. J'espère que vous allez bien parce que vous m'avez trop manqué. Ça m'a trop manqué de filmer. Oh my god. Yes, we too taxi day. Yes, we too taxi day. Je ne vais pas arrêter de chanter dans cette vidéo puisque vous savez que quand je suis très excitée, je chante tout le temps. On adore. Ça fait quelques semaines que vous ne m'avez pas vu, je crois depuis le mois de février. Oh là là, c'est pas bien, Charlinou. Je m'excuse, mais si je suis là, c'est déjà pour vous expliquer pourquoi j'étais absente. Quelques petits changements qu'il va y avoir entre nous, vois-tu. Mais je te laisse tout de suite avec la suite. Wonderful, amazing. Little do you know, I try to make it better piece by piece. Alors tout d'abord, j'ai absolument l'impression d'introduire une dissertation. J'avais tous mes bacs blancs qui sont tombés la semaine juste avant les vacances, donc ce qui explique déjà que je n'ai pas eu le temps de filmer avant les vacances parce qu'on est à fond dans les études, vois-tu. Bref, on s'en fout, mais tout ça pour dire que voilà, j'avais les bacs blancs, c'était un peu difficile de s'organiser avec toutes les révisions. Très honnêtement, j'avais un petit peu perdu l'inspiration, enfin même totalement, en fait je ne savais plus quoi faire du tout. J'avais plus d'idées de vidéos, j'avais plus la passion, tu vois, la petite flamme qui me disait vas-y, fais une vidéo. J'avais un petit peu perdu l'envie, je savais pas trop. Et du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu remise en question, je me suis dit est-ce que je continue à faire des vidéos ou pas? Est-ce que j'arrête YouTube ou pas? Mais si vous me voyez aujourd'hui, donc c'est bien évidemment que j'ai décidé de ne pas arrêter parce que je me suis dit je ne peux pas m'arrêter comme ça, c'est ridicule. Surtout que j'ai encore tellement de choses à faire sur YouTube et avec vous et avec moi-même et avec plein d'autres gens et avec plein de... avec le monde entier, enfin bref. On sent pas amazing. Et en plus de ça, ça fait quelques mois maintenant, ça doit faire à peu près un an. Énormément de personnes ne me voient que à travers YouTube. Même des gens, des camarades de classe, de mon entourage très proche, des potes à moi aussi. À chaque fois on me parle de ça et tout, on me voyait presque que par ça. Genre je n'existe pas qu'avec ça, merci beaucoup, j'ai une autre vie à côté, merci. Je leur en veux pas, mais je veux dire que voilà, c'est un petit peu pesant. Des fois je me dis, hé les gars, je suis une personne, ok, je ne suis pas une youtubeuse, c'est bon, tranquillou, on se calme. Et c'est les principales raisons pour lesquelles j'étais absente. Mais là je suis revenue maintenant parce que j'ai plein d'idées, parce que j'ai pris une décision quant au fait de venir et puis de continuer à fond. Et surtout on a fêté le 22 mars les 3 ans de ma chaîne. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 3 ans, oh my god. C'est absolument énorme, my god. Voilà, 3 années entières, c'était incroyable. Quand je repense à ma première vidéo, oh my god. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très très contente en tout cas d'être revenue et de plus belle pour mes 3 ans, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, on adore le timing, on est bien. Du coup à partir de maintenant, nouveau rythme sur la chaîne. Avant je faisais une vidéo tous les dimanches. Déjà que c'était un rythme pas très facile à tenir. Là en terminale et tout, c'est un petit peu compliqué. Surtout que là j'ai les bacs de langue qui arrivent. Et après j'ai le bac normal et après oulala, quel bordel. Donc maintenant il y aura entre 3 et 4 vidéos par mois. Je ne vous dis pas un certain jour de la semaine. Une semaine il peut ne pas y en avoir. Et la semaine d'après il peut y en avoir 2. Bon, je vous laisserai pas avec moins de 3 vidéos par mois en tout cas. Donc j'espère que ça vous va, vous. Moi normalement ça devrait mieux m'aller niveau organisation. Ce sera un petit peu plus simple, voyez-vous. Puis comme ça on garde un petit peu l'effet de surprise. Mais je me dis qu'aussi que j'ai envie de revenir un petit peu à mes premiers amours. J'ai envie de parler un petit peu plus de fringues, de genre de trucs, voilà. C'est un petit peu plus léger, mais je vais quand même garder le côté humoristique. Beaucoup de projets arrivent, des nouvelles vidéos, des nouveaux styles de vidéos que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne, des projets toutes seules, des projets avec d'autres personnes, pas de projets avec des marques. Voilà, je vous le dis honnêtement, parce que personne ne me démarche. Vous m'avez oublié les gars ou quoi? Je suis là, salut. En tout cas tout ça est en préparation, sachez-le, et j'ai vraiment hâte que ça arrive, ça arrivera dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pour ça que là je vous lance un ask maintenant pour que vous me posiez à peu près toutes vos questions. Ce sera pas sous forme de ask normal, genre je vais remixer un petit peu le truc, je vais le faire à ma sauce. Mais en tout cas vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires, que ça concerne ma vie privée, mes goûts, mes potes, comment ça va se passer l'année prochaine, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, est-ce que je compte avoir un avenir. Ce genre de choses, enfin bon, soyez imaginatifs ou pas du tout, mais posez-moi des questions. J'espère que ça vous... Sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir parce que moi ça m'a fait trop plaisir de vous refilmer une vidéo et d'être de retour comme ça en pleine forme. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux.
J'arrive jamais à le dire ce truc de hara. Twitter, Instagram, Snapchat, everything. Vous pouvez également vous abonner parce que ça ne coûte rien et c'est sympa. Il me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous. Et moi je vous dis bah à très bientôt. Suspense pour une prochaine vidéo. Mouah. Mouah.